On accueille Chassol et François and the Atlas Mountain dans le cadre de la tournée Faire le Tour qu'on suit depuis sa création, puisqu'on a accueilli 5 des 6 tournées de Faire le Tour. Je m'appelle Christophe Chassol, je suis un pianiste parisien, antillais. Ma musique se sert des images que je tourne, du son des images que je tourne et que je considère comme n'importe quel élément musical. Ça va me donner de la matière musicale et je vais me poser des accords derrière. Cette année, c'est Chassol qui est le lauréat de l'édition du Fer 2014 et François and the Atlas Mountain qui est un ancien lauréat. Aujourd'hui tu pleures, les ondes t'inondent. Je m'appelle François. Et j'ai un groupe qui s'appelle François and the Atlas Mountains. Le Fer, c'est un label de qualité. Il y a tout un tas d'actions et de professionnels qui vont bosser à leur côté. Ils nous ont donné des conseils divers. On a fait une réunion avec notre tourneur et eux. On comprend un peu tout. Voilà ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait bosser. L'idée, c'est de pouvoir tourner un petit peu, d'avoir plus d'exposition, d'être dans des salles, être dans un réseau que des programmateurs, des professionnels reconnaissent. Et puis, enfin, tout simplement, c'est très simple. On a pu rencontrer notre manager grâce au Fer. On a pu rencontrer le tourneur avec lequel on travaille maintenant aussi. On a eu accès à plein de premières parties de concerts. Donc, beaucoup de programmateurs de salles nous ont vus grâce au Fer. Et moi je ne sais pas, et moi je ne veux pas m'arrêter de penser à toi. Le fait qu'un groupe soit lauréat, c'est gage de qualité. On sait que c'est un comité de professionnels qui les choisit. C'est quand même le premier dispositif d'accompagnement français. Donc nous, ça nous intéresse pour savoir si on va programmer ou pas un groupe. Ça pèse dans la balance, bien évidemment, s'il est lauréat du Fer. Le Fer, c'est pas une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle aventure plus belle et plus forte. Depuis le Fer, on est dans le milieu musical professionnel en France. On travaille avec un label, un manager, un tourneur, etc. C'est presque un luxe en fait de pouvoir faire ça dans de bonnes conditions.